de secteurs des pêches génère à la Mauritanie des retombées socio-économiques de toute première importance et occupe une place stratégique dans l'économie nationale par sa contribution significative aux recettes, à l'emploi, aux équilibres macroéconomiques et à la sécurité alimentaire. C'est un secteur qui est considéré comme une source durable de richesse et de création de la valeur ajoutée. Le gouvernement mauritanien a mis en place une nouvelle stratégie nationale de gestion responsable pour un développement durable des pêches et de l'économie maritime 2015-2019. L'adoption de cette nouvelle stratégie permettra la consolidation des acquis et assurera la cohérence du développement du secteur des pêches en synergie avec les changements institutionnels opérés dernièrement et notamment la création de la zone franche de Nouadhibou et l'Académie navale. Tous les efforts déployés par les pouvoirs publics nous amènent à nous poser des questions. La pêche est-elle un réservoir d'emplois négligé? Et pourtant, les pouvoirs publics ont mis en place une politique de formation des jeunes Mauritaniens au métier de la pêche. D'ailleurs, depuis des années, nous avions assisté à des sorties de promotion. Mais que sont-ils devenus? Pourquoi n'exercent-ils pas ce métier? Là, je suis à la place des pêcheurs de Nouakchott. On m'a posé un peu de la question que vous m'avez posée concernant la pêche. Pourquoi ces derniers temps on a tous ces problèmes et ces aléas. Je vais vous dire tout simplement que la pêche elle est très importante en Mauritanie et plus particulièrement la population diagolaise. Mais aujourd'hui nous rencontrons beaucoup de problèmes et ces problèmes, la première chose c'est l'emploi. L'État a fait beaucoup de moyens sur l'emploi des pêcheurs, il a créé des écoles pendant des années. Malheureusement, ces écoles, les élèves qui sortent dans ces écoles, généralement, je dirais même c'est 2% de ces élèves qui vont rester des pêcheurs actifs. Pourtant, ce qu'on a remarqué en tant que pêcheur, qu'ils font une très bonne formation. Mais quand vous formez quelqu'un, alors qu'il n'a pas l'amour du métier, mais il ne va pas rester dans le métier parce que la pêche est très difficile et très lourde. Par conséquent, si quelqu'un n'a pas la conviction d'y rester dans ce métier, il n'y restera pas. Par contre, moi j'ai assisté à 3 ou 4 ou 5 promotions qui sont sorties. Des milliers d'élèves. Malheureusement, il n'y en a pas. Et j'ai dit que il y a d'autres côtés, s'il avait intégré ceux qui sont des pêcheurs traditionnels, parce qu'il y a certaines couches de la population qui sont des pêcheurs traditionnels, qui sont prêts à former les pêcheurs, les transmettre leur savoir-faire. Et là, ça sera plus facile pour intégrer le métier. Et le métier, nous, en tant que pêcheurs, nous lançons toujours un appel aux Mauritaniens de venir faire la pêche. La pêche, elle est rentable. C'est mieux que beaucoup de métiers, malgré que c'est dur. Mais vraiment, nous, en tout cas, nous gagnons notre pain. On n'a pas envie aux médecins, aux militaires, aux autres métiers. Nous faisons la pêche noblement et nous lançons aux Mauritaniens de venir faire la pêche comme nous, parce qu'il n'y en a de quoi. Ce n'est pas le cas de tous, bien sûr, car d'autres jeunes Mauritaniens exercent dans ce métier. حنا قومنا قواربنا ورا اسبانيا ورا كوري ورا الروس عندنا 150 قارب كلها في ترفد 200 طن وفيها المكاين وكانت ذيك الساعة فيها لا لي كوريان وليز اسبانيول واليوم ما فيها ما هو موريتاني من عند الكابيتين الانجينير الالكتريسيان الفريغوريست اللي يعدل الحوت اللي ينظم واللي يتجر حوت مسيطر عليه هذا لو خرقع ما هو قوارب ذا شي من كدوات وتلعب فيهم التركه وكل حد يقدر يعود فيهم وندور ونحوتوهم وخالق اللاحنه وشفت هالبحر
ايد ما هي موريتانيا ما تتمرق من نحوت. اذا متفاصل لك والله ما متفاصل لك. ها؟ ولا تجنوا وتموا ولا تحانوا وتقولوا عنا نتراجعوا عنا ما انا متراجعين. موريتانيا ما هي متراجعه. وخارق لا الى الامام وخارق لا البحر. واعدين لا البحر واعدين ولا به الموريتاني. ما لنا مشقلين فيه دوله اخرى ولا مد اخرى. تفاصل لك ولا ما تفاصل لك؟ ها؟ حد متخيل له عنه يحلم عنا لا نتراجعوا ونجيبوه الخارج لفارقنا ما هي خالقه، خالقه لا اولادنا. نحن ما تقد تتم الناس عايشه في بحرنا وقواربنا وكل الناس توكل امواتها واخواتها واباتها واحنا امواتنا واباتنا ما كانوا حوته واحده، زمان لهين يقبلوه وحرموا لنا ما يقبلوه. لما تفاصل ما تفاصل. وقررنا قاع عن حوته ما محوته موريتانيا انها جيفه. تعرف الجيفه؟ ما تنتكل ولا تينا واكلينها ولا تينا بايعينها. عقب ذاك شو؟ اللي قالوا بلب كامل تمشي سمسفه محوتين ولا اهل موريتانيا. شي قيسوك لي فيلاج تشوف ما هون يحوتوا ما هم موريتاني ومتعلمين لا الصفه اللي تعلموا بها ذو نتعلموا احنا بها ويعلموا بها تركتنا ولا ينعلموهم ودوروا يتعلموا والدور تشوف ذا والله يا اخوي دنهم يتعلموا والله دنا نحوتوا احنا الروسنا بقواربنا الروسنا والله دنا نقبضوا حوتنا بيدينا والله دنا نتحداوا هذه المشاكل فرد شاكه الناس ويقول لك ازمه ده ما في ازمه أزمة لا لذاك اللي قال إنه أزمة هو الأزمة ها؟ Dans l'embouchure du fleuve Sénégal à la pointe du Cap Blanc, le littoral mauritanien s'étend sur une façade maritime de 720 km de long qui fait face à l'océan Atlantique. La République islamique de Mauritanie dispose d'une zone économique exclusive de 200 miles nautiques, d'une superficie de 234 000 km² dont un large plateau continental de 39 000 km² et qui est réputé pour l'abondance, la diversité et l'importance commerciale de ses ressources halieutiques. Ce sont en effet près de 600 espèces de poissons qui ont été inventoriées, dont plus de 200 peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale. D'immenses potentialités que les étrangers exploitaient plus que les Mauritaniens. Mais avec la nouvelle loi interdisant la pêche aux étrangers, la balle est dans le camp des chômeurs mauritaniens. قرار الدولة قرار سيادي ونحن نحترمه شد الاحترام لكن على عن القرارات قرار مشحه بالفعل بالمواطن مشحه بين قال عنده لا عنه قرار سيادي لكن عنه من من من, من الوقت اللي هو نطلبه لجميع المواطنين المنها في الشرق والمنها في كل بيده انه يتوجه الشور للبحر ويتوجه الشور ما فينا واحد ما عنده لا ينفلق ولا 40 فلقه وطالبين من الدوله عن تشكل لجنه لانه عنده هو الناس اللي الكوس هو حمل الشهادات الرافلت رافده شهاداتها تتوجه الشور للبحر وتتفضل تعطينا الناس نكونوها ونعلموها مجال البحر بالفعل كان زين من الدوله قرارها لا تعطي النار وتعلم به لين تكون لجانب على اللي قالوا البحر وعلى عمل البحر ولا نقول عن البحر لا كيف البر وإلى عاد بهم الا الموت الموت اللي تم رقاه ماشي لين يموت في دار لين ما تكونوا تدركوا الموت ولا كنتم في بروج مشيدة ونحن مسلمين الحمد لله وعندنا عقيدة البحر ما يقتل وفيه الخير ياسر غير خصنا نحن مواطنين ندلوا شو البحر ونشتغلوا وطالب مولي دارك من الدولة أنا تشكل لجنة المعاملات أهل البحر فيما بينها ياك عودنا نحن الموريتانيين من عامل الموريتانيين ياو يعتداوا علينا وعياه ويمشوا معنا ويجرون شر المحاكم وياسم بيدات اللي ما لا بد منه وادى ذاك على عنا عندنا متخوشين من اخوتنا نبغوهم بعد يستفادوا ونبغوهم المجال له يدخلوه يا طالبين من الدوله عنا تشكل لجنه تم تقبل المواطنين اللي كوسوا وتوجههم شلون البحر وتتفضل دروا لا حد يجينا ويشتغل معانا ونقضوا في السفينه كل السفينه نديروا فيها رقاجنا يتكون وطالب من الدولة تعرف شيء المجال اللي هو وتكون فيه جميع الصيادين التقليديين وتفضل والهم البحر والهم الناس اللي تكوس تفضل والها البحر. Les performances économiques et sociales du secteur des pêches ne sont plus à démontrer. Ce secteur demeure l'un des secteurs stratégiques de l'économie nationale à différents points de vue. Création de richesses, création d'emplois, source de recettes budgétaires, devises, équilibre de la balance commerciale. Sécurité alimentaire. Selon l'étude effectuée par l'IMROP en 2012, le PIB du secteur des pêches pris dans sa globalité
s'est élevé à environ 32 milliards de guyas en 2009, ce qui représentait alors une contribution de l'ordre de 4,8% au PIB national, selon les résultats du dernier groupe de travail de l'IMROP. En décembre 2014, le secteur de la pêche a présenté en 2013 près de 6% du PIB national. Pour sa contribution aux emplois, quand on se fie aux dernières études de l'IMROP, le secteur des pêches emploie directement entre 42 000 et 43 000 personnes, dont 80% des emplois proviennent de la pêche artisanale. À ce nombre de marins-pêcheurs, il faut ajouter environ 13 000 emplois indirects générés par les activités liées à la pêche, notamment dans le secteur post-capture. En faisant un tour au marché des poissons de Nouakchott, vous êtes impressionné par l'ampleur de ces secteurs. Le charge des pirogues, nous, moi j'ai deux pirogues, deux filets tournants, bon, qui pêchent chaque jour. Chacun a de 30 personnes d'équipage. Actuellement, ce sont tous des Mauritaniens du moment de décret qui est sorti. Mais pour ces 60 personnes qui partent chaque jour dans les deux pirogues, par exemple, on a 25 personnes par pirogue qui sont des pères de famille. Et ils sont, qui ont leurs enfants, leurs femmes. Par exemple, il y a que ceux qui sont deux femmes ou bien une femme avec ses enfants. Bon, imaginez. Par exemple, le nombre de personnes qui vivent dans ces pirogues. Et le matin, quand on quitte chez nous, on vient ici, on prend de l'essence. Par exemple, on prend de l'essence qui va partir avec la pirogue. On paye de 100 à 150 000 ougias, parfois. Parfois, plus de 200 000 gars. Parfois, moins de 100 000. Ça dépend de la zone qu'on doit pêcher. Bon, on achète du ravitaillement. Par exemple, de ce qu'on va manger pendant qu'on passe à la pirogue. Parfois, on fait une journée et la nuit. Parfois, on fait une seule journée. Parfois, on fait une journée et la nuit. Et deux journées et une nuit. Ça dépend de la captivité ou bien de la rareté du produit. Bon, actuellement, on a depuis deux mois ou bien trois mois, cette année, si on veut dire, depuis fin 2016-2017. Il n'y a pas énormément de produits, mais il y avait 70 pirogues qui pêchaient avant cette loi-là. Actuellement, il y a deux seulement qui sont partis. Toutes les autres sont ici en train de pêcher. Mais le problème, c'est que c'est la rareté des poissons. C'est ce qui explique ça. Ce qu'on demande à l'État, c'est de nous faciliter la pêche. L'activité a beaucoup diminué. C'est vrai, l'activité a diminué. Mais l'activité n'a pas diminué par rapport au départ de ces pêcheurs. L'activité a diminué par rapport au temps, au manque de poissons. Parce que, je vais vous donner un exemple. La scène tournante que je maîtrise de plus. Il y avait 70 pirogues de la scène tournante qui faisaient pratiquement la pêche. Mais après, il reste 68 pirogues qui sont là, qui sont fonctionnelles. Et tous ces 70 pirogues sont des pirogues mauritaniennes, l'équipage est mauritanien. Malheureusement, il n'y a pas de poisson. Vous m'avez posé pourquoi il n'y a pas de poisson. En tout cas, appelé IMROP, Institut Mauritanien de Recherche Océanographique de Pêche. C'est dû au temps, aux fraîcheurs, parce que apparemment cette année, il fait très froid au Maroc, au sud du Maroc. Et quand on est au sud du Maroc, c'est au nord de la Mauritanie. Ce qui a poussé le poisson marocain à immigrer vers le sud, au nord de Nouakchott, et le poisson qui existait au nord de la Mauritanie émigre un peu vers le sud. Et deuxièmement, il y a le temps. Depuis pratiquement deux ou trois mois, les mois qu'il y avait plus de vraiment de poissons, on a remarqué que le temps n'est pas vraiment favorable pour la pêche. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de l'équipage mauritanien. L'équipage mauritanien, on peut l'avoir, mais il faut que l'État nous facilite l'accès de l'État civil. Les Mauritaniens sont là, ils sont disponibles, ils sont prêts à pêcher. Mais dans la pêche, tout le monde sait que la pêche traditionnelle, nous sommes organisés en famille. Pratiquement, chaque pirogue, tu vas voir qu'il y a le grand frère, il y a ses frères, il y a l'aîné, il y a
il y a ces enfants du vieux, les enfants du vieux, tout ça. Mais nous avons la lenteur administrative de l'état civil. Et l'état civil, si nous demandons actuellement, au jour où nous sommes, qu'il faut que chaque personne présente une pièce d'identité originale pour partir faire la pêche, ça c'est de nous dire non, il n'y a pas à y aller. Parce qu'une pirogue qui emploie 30 personnes, dont les 10, les 20 n'ont pas de pièce d'identité, c'est des Mauritaniens. Ils ont un acte de naissance, tout ce qu'il faut, n'ont pas encore leur pièce d'identité. Mais même s'ils ont leur pièce d'identité, pour amener une pièce d'identité mauritanienne, comme vous le savez mieux que moi, c'est pas un jour ou deux jours qu'on peut avoir une pièce d'identité mauritanienne. Donc, quand vous nous dites qu'il faut présenter votre pièce d'identité originale à bord de votre pirogue et avec tous les risques que court le pêcheur, je ne dirais pas impossible, mais ça sera une mission très difficile. Imaginez aujourd'hui, si on dit que chaque élève, avant de rentrer en classe, il va amener sa pièce d'identité originale. Demain ou après-demain, beaucoup d'écoles vont fermer. Quand on dit demain au ministère, chaque employé du ministère doit présenter sa pièce d'identité originale avant de rentrer dans n'importe quel service. Même s'ils le font dans un mois, deux mois, il y aura beaucoup de manquements parce qu'on ne peut pas porter chaque instant notre pièce d'identité à bord. À plus forte raison que d'aller amener en mer où on a tous les risques, ça ne sera pas vraiment, c'est pas de nous encourager. Encore une fois, on est là, on est disponible. Je dirais tout simplement que la Mauritanie a des pêcheurs et ces pêcheurs sont prêts à ravitailler tout le pays. Tout le pays, même, je dirais, même la sous-région. Quand le marin pêcheur débarque du poisson, plusieurs autres personnes entrent en jeu. C'est une chaîne qui va de celui qui transporte le produit à celui qui l'achète pour le revendre, appelé marailleur, aux femmes qui vont l'exposer après au marché, à l'écailleur. Tout le monde y trouve son compte. Issa, propriétaire de pirogue, fait travailler à lui seul 109 personnes dans ses différentes pirogues. Dans ces pirogues, il y avait des étrangers, mais avec cette nouvelle mesure, des autorités interdisant la pêche aux étrangers, des places sont à pourvoir chez lui. Il n'est pas le seul dans ce cas. Nous profitons de confirmer l'état, de confirmer la population. Alhamdoulilah, toujours à Moulangifi. Comme nous l'avons dit, voilà, comme nous l'avons dit, dans nous devons nous quitter maintenant. Nous avons entendu sur plusieurs radios, nous l'avons aimé en Angola. Et moi, mon médecin métier aussi, nous l'avons aimé en Angola. Moi, l'ayant connu, vous faites que j'ai amené ce gars-là. Nous avons aussi amené un problème. Amené un problème, oui. Ce problème, bon, moi, nous avons aussi. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans depuis 2010. Commencé à jouer à alerte, dilen xamal ni geegi commencé na am problème, commencé na li nu gis nun bu fekke continue na d'ici quelques années man na am nu am jafé jafé jeun bon bay commencé wona su joxé ay solution kon may confirmer rek li nga xane bi mom la waxone geej bi mo nek geej bi nga xane mi mo uppone jeun ci monde bi wala bokkane ci jeun geej gi upp jeun ci monde bi jour paranañu pour dem geej. Nous avons des gens qui sont très bien. Nous avons des gens qui sont très bien. Lepp lu nga xane bi man nañ ko pour toute la Mauritanie lek jeun avec un bas prix dañ ko def pour nit ñi am jeun de ko lek nañ ko war lek disi liggey nañ ci war liggey hein disi jorñu nañ ci war jorñu donc nous li ñu ñaan moy facilité bo xane bi état bi man nañ ko defal pour ñu man continuer di liggey son liggey ñong kay ñaan état bi bon may jéxale rek di len gërem di gërem ki de xam di len gëna confirmer len ay mo la nga fi. Deugul nak commencé nañu am tout jafé jafé ndax yit wax deug yalla bu féké dañu wax deug amul kou fi entre employé won ay étrangers
man personnellement man bi di wax ak yeen amona 24 maliens yo xamni dañ da liggéey sama gal yi ngay talal loxo go état bi ñu gëna accélérer formation yi bon ba nga xamni bi gal yi bu fekke bëgg nañu dem geej ñu bañ am ben jafé jafé limay téral rek moy lepp lu nga xamni bi man nañu ko défa ci yombaté pour sa ñu mool yi dugg geej man wuti jeun rek nañu ko défal. Au total, le secteur des pêches génère près de 55 000 emplois, ce qui représente environ 3% de la population active en Mauritanie. Il recense par ailleurs près de 30% des emplois dits modernes, c'est-à-dire formels, du pays. En référence à la situation de 2002, il apparaît une évolution considérable de l'emploi dans le secteur, en augmentation de près de 50% sur 12 ans. هذا القرار اللي مشانا الرئيس بالنسبة نحن للبحارة اللي حقيقة بحارة ونعرف حقيقة البحر قطعنا بأيدينا وبذيك المناسبة معنا بحارة نقد نعود بقفالنا شيئا ما وقلنا فيها هذا اللي نقول لكم الوقت قرار الرئيس في حوتو معاهم اللي في الفكرة ونقوم احنا والله حوتو ما تقبلوا ما الدخرة البحارة فرت عاني من الأول منها للثاني من البحر قلعوا البراني وماسيها عنا فخرة ومأيد له النصراني وموفر له قد اللطرة من وسائل فيها هاني ومقصر له دون الدشرة والمواطن في محاني هو حياته ذي عبرة يبحى بمال هاني يشيخ فيهم مدخرة هذا ما هو صالح ولا هنا راضين ولا هو زين عندنا وثانيا نمر هاي طلع على خرم عدلة في البحر في أعماق البحر ولا هي نقولها يقول الفوق اسمه في الحق متين والتحت اسمه زاد من الماء هذا فر من الكائنين كل سبح وقت الظلمة الأمواج يجوكم مصطفين والحوت يجيك معاها الطين والزبد اللي حور فيه العينين ما هالصابون معاه الماء والبحاره فم مساكين تتناتر هي واللجمه ذاك الشباك وجاو سنتين وذاك الشباك ومروا في الماء وذاك الشباك وجاو ملانين من القصه هي ورمى هاي السفينه بنصين النص الاول في الظلمه والنص الثاني بين اثنين السفينه هي والماء والصاير عنك في القدين والصاير عنك قاع احمى هذا حقيقه نحن البحاره كنت هون روس يا بي نجيبهم المكاه هذه وحققت كامل اللي نقولها جيت المدير بيبخا وقلت له يعطيني الشغله قال لي مشي رفت على راسك وعقبت لحقته ناصحني ورفت على راسي يا يبي الخامره والخرقه شافني هون يقول لي المجنون يا قال يسوى عشت 15 سنه في افريقيا ولا تيت مستعد ولا خمر تاعك يسوى اللي يتكلم فيه. Et pour résumer ces vers du poète pêcheur qui appelle ses concitoyens à venir travailler dans ce secteur qui offre beaucoup d'emplois, soutenant les efforts des pouvoirs publics pour la mauritanisation de ce secteur. Idem pour toutes les personnes que nous avons rencontrées. اسمع وهي روايه مأيدين عليها الرئيس حتى اسمع بان اللي نحن الحمد لله رب العالمين نعرف عن موريتانيا هون ما شاء الله في الاقتصاد والبحاره فيه موجوده تبارك الله قد يعود تقريبا مهمتهم حتى ما هم دايرين مهمتهم حتى في الاقتصاد يا غير ذلك يبقوا لا مروسهم يداروا لا يعقب يشتغلوا يستفادوا يعرفوا ان هذا مصلحتهم كاملين اسمع وهذا الحمد لله الانسان ذنبته مأيدين عليه الرئيس حتى وشاكرين عليه واما نحن المواطنين هون الحمد لله اللي بسيطين لا نشرون الحوت نبيعوه نختاروا مطالب تروح الدوله تعود مساعدتنا مساعدات كبار نعود نجبروا باش نقدروا نشتغلوا ورانا بعد ما خدمتنا كامل لا المواطن بل اسمع ونختاروا مخا الدوله تعود طرحتنا طرحها لنا بلد بالشرايك وفي الايزينات وفي كل مرد مقدمه فيه المواطن في العمل اللي هو هو الاول يدخل في العمل اسمع وهي روايه مهم عندنا حتى نختار الرئيس السعودي يساعدنا فيها ويعود طرح للبلد اسمع ومن ذيك الناحيه هون ذاك الناس كامله تتكلم تقول عن الحوت عنه مو خالق وعنه مو موجود وعنه ساعد اللي مشات لترانج الحوت ما موجود ولكن الحوت لا مازال موجود اللي الدوله كانت فيها تقريبا الحمد لله 40 موريتاني يشتغلوا ويحوتوا ويعرفوا يعرفوا التحوات وما زالوا موجودين حالا اسمع ودوما الحال الحمد لله يحوتوا اسمع الحوت اللي عنده زمن ياسر وعنده زمن مو خالقه فهمت وهذا شرط كامل تقريبا انت تخلق جايبه يخلق الحوت كامل فهمت وانت تقعد جايبه ما يخلق ما خالقش كل ما عن شيء قال المصلحه العامه ما ندار المصلحه الفرد الواحد الفرد الواحد ما هي مصلحه نحن ندار مصلحه الشباب كامل المواطن كامل يعود يستفاد كامل
يستفاد في التحواذ، يستفاد في الشرائك، ويستفاد في العمل. كل عمل يعود المواطن هو الأولوية وهو الأسبقية وهو اللي عنده الإفادة. أثمن ها؟ هذه رواية مهمة عندنا حتى وطرحنا الرئيس مؤيدين وتقريبا تأييد 200 أن الحمد لله رب العالمين هذا ما قد حد عدله يكون محمد عبد العزيز وحده. فهمت؟ من ذيك الناحية نختار تقريبا سوسية من اللي في حرم له المواطنين اللي منهم يعرف المهنة يمشي عدل شغلته ويعرف عن سوسية عنه وطنه ويعدل شغلته ويشتغل ويستفاد. فهمت؟ والشرائك يالطن المواطنين هم الأولين يستفادوا فيهم ويالطن الأولين يشتغلوا. سمعت يالطن يقوموا ويشتغلوا وينبشوا ويعدوا كلهم تسوسيهم الدولة حاسة به ودار حالة مهمة. فهمت؟ وهذه رواية مهمة عندنا حتى وطرحها الرئيس ومؤيدينه على ذلك. À ces pêcheurs, commerçants, marailleurs, vendeurs de glace, écailleurs, chauffeurs, tous sont unanimes pour soutenir la décision du gouvernement interdisant la pêche aux noms mauritaniens. C'est une décision sage, selon eux, qui permet à la fois de préserver notre ressource, mais aussi de permettre aux citoyens de tirer plus de profit de leur richesse. Formidable. Formidable. C'est ainsi que la vision de long terme du secteur des pêches et de l'économie maritime doit être redéfinie de manière suivante. Tirer du patrimoine halieutique du pays, de façon durable, le maximum des bénéfices pour la population mauritanienne et participer plus activement aux efforts de développement. Une économie bleue inclusive, source de richesses et d'emplois.